complètement stun. Moi je commence à trembler de partout. Ça y est, c'est le début de la fin. Heureusement que c'est le dernier jour. Et à peine j'ai le temps de me remettre que c'est juste Justin Wong White Black. Voilà. Le button check est passé ou pas? A priori pas, je crois pas. Tu crois qu'il sortirait une autre team à un moment s'il a fait un ajout, une affaire, Je sais pas, je pense qu'il est vraiment. Enfin, il veut vraiment rester sur sa team pour l'instant, Magneto. Je sais pas s'il va changer. Et c'est parti! Justin Wong contre CDV. Enfin, UG, Justin Wong contre CDV, White Black. Allez, pour l'instant, eh bien, grosse agression du Wolverine. Il a récupéré du bout de la glissade. Oh non, ça touche pas. Malheureusement, il est un tout petit peu trop loin. C'est pas grave, il a déjà enlevé la moitié de la barre sur le Wolverine. C'est déjà un bon début. Il échappe au Berserker Slash. C'est bien. Ça bloque un peu le contrôle du sol. Voilà, il a récupéré. Il a pas pu récupérer l'assist, malheureusement. C'est dommage. C'est pas grave. Pour l'instant, le Justin Wong va devoir, je pense, faire un tac. Parce que, non, du coup, il va tenter la double furie. Voilà, il est de barre. Donc, effectivement, il peut terminer le Magneto comme ça. Allez, le mind game d'arrivée, oh bien évité, mais il est retombé dans le tatou, c'est ce que j'expliquais, c'est terrible, si on évite le premier mind game avec Wolverine, on retombe dans le tatou, ça fait toujours très très mal, et voilà. Mais juste, il est arrivé, il a perdu son dent, hein. C'est n'importe quoi, à cause du X-Factor, pour l'instant le Doom, allez, il a déjà fait des comebacks avec Doom, White Black, donc on peut lui faire confiance, pour l'instant sa zone, voilà, ça repousse les assauts du Wolverine, il a raison, hein, parce qu'une ouverture du Wolverine, ça peut être la fin. Pour l'instant, il n'a qu'une seule barre, hein, mais un seul combo peut lui permettre d'en avoir une deuxième et de tuer le Doom sur un seul combo. C'est un peu la grosse dangerosité. Oh oui, il a réussi à le choper, c'est bon là, voilà ma manche S. On est dans le corner, on va pouvoir l'éclater gentiment contre le bord de l'écran. Voilà, au pire, un petit air plasma view, ça tue, même pas besoin de craquer de la barre. Il a 4 barres, le Doom et un X-Factor, donc il peut totalement faire le travail. Si ce n'est que voilà, Justin Wong maintenant, il va avoir sa Storm qui va être très très dur à attraper. Ça tente de plier, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non, il peut rien faire, mais il n'a pas de DHC. S'il avait une barre, il aurait pu DHC avec le... Bon, ça dit, il a plus de X-Factor sur DHC, il peut pas lui faire la face complètement infâme avec énormément de dégâts sur deux Hailstorm. Mais pour l'instant, voilà, il joue son main game classique. C'est compliqué, hein, parce que la Storm de Justin Wong est très très mobile et il attend la moindre erreur. Voilà, pour se faufiler, trouver un trou et pouvoir ouvrir un combo, c'est vraiment très très compliqué. Ça paraît pas violent, hein, parce que c'est passé à l'écran, c'est pas grand chose, mais en fait c'est juste qu'il gère très très bien le spacing à l'écran et la moindre erreur, voilà. Ça se voit, la façon dont la Storm bouge, la façon dont le perso bouge, c'est ça qui est assez exceptionnel, hein, c'est Justin. Bon, en tout cas pour l'instant, oulala, l'assist de White Black qui a fini par manger, là il y a eu une double touche, ah, il mange encore le Tatsu assist Akuma, et Justin voilà qui trouve l'ouverture avec le combo Magneto is dead, non c'est terminé, il n'y a pas grand chose à dire, Justin qui nous régale avec un petit combo, oh qui se rate un tout petit peu sur la fin, ou peut-être que vous laissez vivant, quoi qu'il en soit, là c'est White Black qui trouve l'ouverture, avec voilà le aerial combo qui passe pour White Black, il va DHC derrière, voilà avec Million Dollar Baby. Ça va pas suffire à tuer ça, mais il a encore une barre. Est-ce qu'il va claquer la dernière? Bien sûr, il faut tuer absolument dans Marvel, ne pas laisser l'adversaire vivant. Est-ce qu'il reste sur le Doom? Il reste sur le Doom avec un assist et il trouve l'ouverture, mais ça... Ah, ça touche pas bon, ça touche pas bien. Avec voilà l'assist Akuma qui est légèrement touché, mais qui permet à la Storm de Justin Wong de revenir en corner. Il a deux barres, Justin, voilà, il claque, il tape le Fury. Peut-être pas de DHC derrière. Il faut une sorte de reset en main game et... White Black qui va perdre évidemment son Doom. Et voilà, allez, c'est tout à fait pas terminé. Le Magneto, tout de suite, et comment il se fait ouvrir là-dessus? Il y avait une boule en l'air, il y avait tout, et le Magneto est mort. Voilà, ça peut jouer. Quand on perd un perso, c'est très compliqué d'arriver sur le stage. Contre Justin, qui trouve l'ouverture et c'est terminé. Il faut aller dormir. Je pense qu'il est en X-Factor, il a deux barres, il n'y a plus rien à dire. Justin Wong, on peut l'applaudir beaucoup. Justin Wong, c'est le meilleur joueur du monde pour beaucoup, hein, considéré comme le meilleur joueur du monde de Marvel. Mais il y a un seul joueur au monde qui peut battre Justin Wong, hein, actuellement. Donc c'est compliqué. Simple. White Black, est-ce qu'il va changer sa team? Est-ce qu'il va? On sait jamais. Hein, peut-être ici j'ai plus rien à perdre. On sait pas. Non. C'était uniquement pour respirer un peu. Allez, on l'encourage. C'est peut-être son dernier match. Au moins pour. Faut qu'il prenne un match à Justin, ça sera déjà une belle performance dans cette finale. Le Français qui a quand même réussi à atteindre ce stade, ouais, de la grande finale. Qu'est-ce que c'est dur, c'est dur. Oui, tout à fait. Une remontée des losers, voilà, vraiment assez terrible, en éclatant énormément de très bons joueurs sur son passage. Et là, du coup, eh bien voilà le dernier match, peut-être balle de match pour Justin Wong qui trouve l'ouverture des gardes tout de suite sur Virgin. Ah, il est sorti de la team Virgin, je l'ai même pas vu.
Et du coup, trouver l'ouverture de garde tout de suite, elle crame 2 barres direct, ça va tuer. Bah oui, c'est n'importe quoi, mais sur ce THU, les dégâts. Laisse tomber. Alors, le Taskmaster, est-ce qu'il va pouvoir bourrer des petits mind game shop pour essayer de se débarrasser de l'adversaire? Oui, il a trouvé l'ouverture de garde encore, merci. Et bien, ça voilà, ça va faire les petits combos tranquilles qui vont bien, ça se retourne, c'est pas trop grave, on va pouvoir mettre. Oh oui, c'est bien vu ça, c'est tellement bien vu. Voilà, les level 3, ça c'est fait, normalement ça. Ah, je sais pas si ça tue. Ça va être un peu juste. Ah, il le laisse à 0 HP, damn it! Voilà, c'est ce qui a pris une torgnole. Et voilà, en chip damage, c'est très bien ça. Voilà, c'est bien la Storm. Est-ce qu'avec son Wesker, il va pouvoir tenter quelque chose du coup? Un mix-up. Allez, le RS encore, le petit jump RS qui trouve preneur. Encore une fois, il va nous tenter un comeback avec Taskmaster. Parce que là, voilà, c'est. Oh là, avec le X-Factor en plus, mais la barre de vie n'existe plus! Taskmaster probablement un des meilleurs persos du Diagon, c'est tellement compliqué. Voilà, l'air shop pour Justin Wong qui n'a plus de X-Factor. Par contre, il lui reste encore un X-Factor de là-bas. Donc on va voir si jamais il trouve l'ouverture éventuellement sur Storm, peut-être qu'on va pouvoir discuter. Mais c'est tellement compliqué, voilà, il appelle sans arrêt son assist au sol pendant qu'il contrôle les airs avec ses 3 jump RS. C'est vraiment compliqué. Oh, ça passe en dessous, est-ce qu'il va pouvoir punir? Non, il va pas pouvoir punir. Mais c'est pas grave, au moins il a sécurisé avec le X-Factor. Ça protège bien pour l'instant les RS. Attention, RS encore à nouveau de la Storm. Il s'enfuit, voilà, toujours, hein, il temporise. Mais là, Kuma, il a perdu mid-bar hein, sur un malentendu. S'il se prend une super, il peut complètement perdre son perso. Voilà, c'est maintenant. Ah, il a pas eu le temps de la placer, malheureusement. Et du coup, Justin Wong s'en est rendu compte. Hein, il a eu peur sur son assist. Il a bourré le A-Storm direct pour essayer de sécuriser. Ça protège bien pour l'instant. Il a 3 barres plus d'X-Factor, mais il a 3 barres. Peut-être sur un jumping bourré le X-Discounter. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire de toute façon. C'est juste un des meilleurs joueurs au monde en face. Et pour l'instant, à l'échange, il a un petit peu l'avantage. Mais il tient bon le White Black, il tient bon, il reste 35 secondes de match encore. Il s'est pris le Tatsu. Elle a bien esquivé celui-là. Oh, mais regardez ce spacing, c'est infernal quoi. Oh oui, c'est bien joué ça l'assist, c'est qu'il a pris une tonneau au passage. Ah, il reste 40% de bas. Oh non, et malheureusement, je pense que c'est terminé. White Black qui lève la tête, il sait qu'il a potentiellement perdu. Justin Wong Impérial encore une fois. On peut les applaudir s'il vous plaît, franchement. Mais que faire contre ce joueur?